des sushis aujourd'hui. On va manger des sushis. Je viens pas parce que moi je suis fatiguée. Là, c'est mon Blue Journal avec, en gros, là, c'est les petites cases avec marqué dessus, comme ça. Et du coup, il y a le petit Blue Journal avec February, March, March, et en gros, tu vois, vous voyez, là, les petites cases dessus, pour marquer les heures où il faut aller, comme ça, les petits trucs à rater. C'est hyper joli. Avec avec les petites plastifiées, là, les petits plumes plastifiées. Et là, tu as do, qui veut dire faire, pour faire les choses. Glow, apportionment, qui veut dire repas, et choses qui ne sont pas à oublier. Je pense que ça veut dire glow. Parce que je sais pas vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est plutôt pour acheter les choses ou pas? J'ai jamais vu dans les Blue Journal comment normalement c'est fait. Normalement. Je sais pas normalement comment c'est fait. Dans les Blue Journal. But. Ah, le but. Du coup, t'as le but dessus. T'as les objectifs. But, t'as faire les choses et ne pas oublier. Et tu as bien sûr les petites notes avec important à faire et dedans. Et tu as la partie notes là. Tu as les stylos de couleur pour ne pas oublier comment organiser. Comment organiser, tu dois t'organiser. Du coup, tu as les petites de couleur. Ça, ça sert tout ce qui est par exemple. Tout ce qui sert, ça sert tout ce qui est, par exemple écrire des choses. C'est tout ce qui est écrire des choses, voilà, c'est pour écrire avec différentes couleurs. Ça sert tout ce qui est, par exemple souligner, mettre des choses précises dessus. Tu peux souligner avec ça. Souligner. Ou marquer des choses de couleur avec un jour plus gros. Et là, c'est pour tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est très très important, les crayons de couleur pour signifier les choses. Là, tu as nos styles de couleurs qui sont beaucoup plus gros, mais vraiment pour tout ce qui est dessin. Et tu as ça. Et tu as bien sûr ça qui est très important. Tu as les petits scotch pour coller, décoller ou tout ça. Pour modélisation, tu as les petites fiches de couleurs comme ça pour se souvenir, pour tout simplement apprendre des choses. Les petites post-it, c'est toujours important d'avoir des post-it pour se souvenir des choses et pour mettre des post-it. Ça, ça sert vraiment pour l'apprentissage, c'est vraiment chaque couleur, c'est en fait une matière différente. Donc tu as une matière pour chaque couleur. Et ça, c'est plutôt, par exemple, c'est bien pour les langues et tout ça, t'apprends vraiment pour les langues. Là, tu as des petits trucs de global, c'est vraiment pour tout ce qui est émotion. Tu as un Blue Journal, des fiches de couleurs. Ça, c'est les fiches aussi pour étudier. Là, tu as les fiches pour étudier. Tu as des fiches de couleurs que tu peux étudier avec. Voilà. Ça sert à l'organisation. Après, tu as tout ce qui est, par exemple, post-it, mais gros post-it. Ça, c'est pour, mettre, par exemple, un cahier. C'est un peu... c'est un peu les fiches de révision. Et là, tu as le truc pour réviser tous les cours. Tu as, par exemple, pour l'anglais. Là, il y a la partie anglais. Là, c'est pour l'espagnol. Là, c'est pour l'italien. Ça, c'est pour l'italien. Et là, c'est pour le japonais. Ça, c'est pour le français. Tu as le Blue Journal, l'autre Blue with Weekend Planning. Et là, tu peux marquer tout ton planning dessus. Tu as la partie à faire. What to do important. Et shop planning qui est le truc pour préparer le truc de planning.
Et là, tu as la partie ville où tu peux tout écrire dessus. Donc j'en ai deux. Pour tout simplement apprendre. Et là, tu as un autre carnet qui est l'agenda. Tu as un autre genre d'agenda que tu peux prendre avec tous les marqués, les dates et les dates dessus. Et tu as toutes les fiches de couleurs pour, par exemple, oula, pour ce qui partent. T'as toutes les fiches de couleurs. Fiches de couleurs. Des organisations, par exemple, des cours, des fiches que tu peux avoir. C'est un peu un truc séparé pour séparer toutes les fiches du classeur, pour organiser les bonnes fiches, quand t'as des grosses fiches à mettre. Ah, tu as aussi ça. Ça, c'est le planning, tout ce qui est par exemple home planning, c'est genre ça. C'est en gros, en fait, c'est un truc de planning pour organiser. Tu as les listes to do, c'est genre toutes les choses à faire. La transition, autant pour ma transition que pour votre boutique. Parce que ça m'aide énormément à gérer et du coup, ça m'aide à savoir comment faire, autant. Et ça peut vachement m'aider. De gérer tout ça. Et là, tu as des petits trucs pour mettre dessus, tout ça, qui sont géniales. Et des petites fiches que tu dois faire, 1, 2, 3, tu peux checker dessus pour savoir qu'est-ce que tu dois faire au bon endroit. En gros, c'est comme ça, sauf, c'est un peu comme ça, sauf qu'en fait, tu as des mots et du coup, tu dois mettre le nombre et du coup, c'est des grosses fiches classifiées pour organiser ma journée en entier. Et j'ai une fiche aussi pour tout ce qui est par exemple le vêtement, pour savoir qu'on m'habille, pour savoir qu'on m'habille, tout ça, pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Du coup, c'est hyper organisé et planifié du coup. Pour tout ce qui est langue et tout ça, c'est ma manière d'apprentissage du coup pour colorer. Pour apprendre la langue étrangère. Oula, je me suis. C'est trop. C'est mon planning, c'est pour m'organiser. Trop bon. En vrai, c'est trop bon. J'aime bien avec un coffee. Du coup, j'ai commencé à prendre des bullet journal et du coup, bah, j'organise ma transition. Du coup, je mets dans mon bullet journal ce qu'il faut faire à ma transition. Je crois que j'ai marqué dedans. Là, ouais, j'ai marqué dans cette partie-là. Chose à étudier. Le ménage. Ça, c'est le moment pour m'amuser, par exemple. Parce que vu que j'ai tendance à, des fois, faire trop de temps, des fois, je minute aussi pour minuter 2 minutes. Pour en fait savoir à quel moment, parce que j'ai tendance à mettre trop. Là, c'est ma transition. Là, je marque le binder, les testostérone, le traitement. Même pour mes médicaments, je marque dedans tous les médicaments. Dans ce panique-là, dans la partie là. Et pour doux, je marque tout ce qui est choses que je dois faire pour organiser, que j'oublie d'acheter ou que je dois acheter. Et la partie là, c'est pour tout ce qui est, par exemple, rendez-vous, pour marquer le rendez-vous dessus. Et rendez-vous dedans, pour marquer rendez-vous. Et là, ça sert tout simplement à m'organiser. Sûr, ça s'organise. Ça s'organise vachement pour tout ce qui est, par exemple, vestimentaire, pour s'organiser. Pour s'organiser par point B ou par un point.
a pour être intéressant et s'organiser vachement. Niveau de quelle heure, à quel moment. Voilà, genre à quelle heure. Il faut savoir à quel moment je prends, à quel jour je prends. Là, j'ai marqué quasiment les jours. Je prends les jours. Aussi les rendez-vous, pour savoir à quelle heure sont les rendez-vous, quel jour, quelle heure sont les rendez-vous, comme ça je sais tellement dedans où sont mes rendez-vous, pour savoir la notion du temps, et aussi tout ce qui est par exemple, ce que je dois faire. Alors, ça marque aussi le planning, en fait ça marque tous les vêtements. En fait, du coup, c'est un peu une manière en fait, de savoir ce que je dois travailler en fait sur moi. Du coup, ça sert un peu à organiser pour savoir ce que je dois faire et tout ça. Ça aide à m'organiser en général. Coup, j'ai organisé. On va prendre le meilleur. On va prendre celui-ci parce que c'est le meilleur. C'est mon goût préféré. Le problème, c'est que c'est froid, du coup, c'est. Du coup, mon café est froid. C'est pas bon. Voilà. J'en ai mis du cassé. En plus, il y avait une ouverture dessus. Oh là là. Voilà. J'avais pas ouvert. Du coup, les petits donuts. C'est bien. Les petits donuts pour étudier. Avec le café, les trucs colorés, c'est vraiment vachement pour étudier. Genre, tu te concentres sur les études en faisant ça. Et je commence les études et tout ça. Donc, je me concentre énormément. Pour tout ce qui est language, j'utilise beaucoup, par exemple, de trucs pour enfants, de trucs pour enfants, d'écouter Netflix à fond en anglais. Pour les langues, j'écoute vachement les trucs pour enfants. J'écoute. J'étudie tout de planning. Je prends, par exemple, des fiches. Pour tout ce qui est lecture, collège, lycée, je regarde les fiches sur internet, je regarde les fiches, les photocopies, j'apprends, je prends les fiches, je peux utiliser les fiches de couleur. Et du coup, je travaille sur ça et je prends des textes et des choses. Et du coup, je photocopie. Et du coup, ça fait que j'ai un d'organisation de cours. Et du coup, je suis organisée au niveau des cours. Et voilà. J'ai de raison au niveau peinture, mais c'est difficile, c'est organisé. Là, moi, je suis en train de mettre les pinceaux là pour réaliser au niveau peinture. J'ai organisé au niveau peinture, comme ça, tout est posé au même endroit. Tout dans un tiroir où tout est posé. Il y a une partie où il est posé, par exemple, tout ce qui est crayon. Tout ce qui est colle, crayon, punaise. Quand c'est organisé, précis, notif. Et là aussi, il y a pas tout ce qui est stylo, tout ce qui est écrire. Pour organiser tout ça, parce qu'il faut organiser. Il faut organiser énormément son temps, son énergie pour tout ça. Il ne faut pas perdre du temps, je me dis, parce que quand tu perds ton temps, c'est justement le gros problème. Il faut écouter des émissions, j'écoute des émissions, des radios, de la musique, de la musique, des choses traduites pour traduire par exemple les textes. Beaucoup de choses qui fait que je apprends. Et je sais regarder des vidéos en anglais qui parlent avec des accents, tout ça. Et quand j'ai l'occasion de parler avec des gens en anglais, j'ai vraiment trouvé des situations, des restaurants pour parler en anglais. En fait, c'est la même manière un peu, c'est de faire par exemple des fiches comme ça m'aide vachement à apprendre. Et j'utilise Google Traduction et je répète plusieurs fois, répéter plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois pour tout simplement répéter, répéter, répéter. Plusieurs fois, je répète, je répète, je répète, plusieurs fois. Je répète plusieurs fois pour apprendre en fait la langue. Je répète plusieurs fois, je répète, je répète, je répète plusieurs fois
avec Google Traduction ou des phrases que moi je dis et que je traduis. Ou j'utilise par exemple des textes, je regarde des textes qui a traduit et je relis en fait. Parce que vu que j'ai un mode automatique, je peux traduire, du coup je peux lire tout ça. Quand c'est pour la lecture, j'essaie d'apprendre la grammaire, l'écriture le maximum possible. Pour mon trombone, j'essaie vraiment faire ça, pour avoir ma sexy. Alors, regarder des textes audio, des livres audio, des choses audio, des applications audio pour justement aider à parler. J'essaie de trouver, de corriger et tout ça. J'ai vraiment pris du temps pour ça dans ma manière d'écrire et lire. Du coup, pour apprendre à lire et écrire. Voilà, pour apprendre à bien lire et bien écrire. Et j'ai aussi des fois, je pense aussi pour enfants, pour apprendre à lire et écrire. Je dis que ça peut vachement aider et c'est vachement quelque chose, une aide précieuse pour lire et écrire. Et c'est une manière pour moi de lire et écrire correctement. Voilà, ça prend du temps. Et voilà, ça prend du temps, de la patience à apprendre. Et c'est un peu le planning que je fais pour m'organiser le maximum possible. Et pour tout ce qui est vocalise, physique, j'ai fait beaucoup d'exercices sur Internet pour regarder tout ce qui est exercice, tout ce qui est exercice vocaux et tout ça, tout ce qui est par exemple exercice physique pour vraiment améliorer ma transition. Je travaille non seulement, je travaille vraiment le côté vocali, tout ce qui est vocaux. J'ai une partie vocaux, une partie de transition qui est vocaux, une partie tout ce qui est vocal. Vocaliste, tout ce qui est travail vocal, tout ce qui est travail vocal, tout ce qui est travail physique et tout ce qui est par exemple danse pour travailler physiquement, tout ce qui est travail des vestimentaires, c'est un peu un travail en fonction de mon ressenti, donc je travaille mon ressentiment pour voir qu'est-ce que je voudrais comme vêtements que je voudrais. Et le travail psychologique, c'est un peu, je lui ai remis des audios que j'ai lus pour en fait m'analyser que je peux faire, est-ce que je ressentais et pourquoi en fait j'ai ressenti ça. C'est la question de pourquoi j'ai eu une dysphorie, à quel moment j'ai une dysphorie là. C'est un peu un travail pour savoir à quel moment je ressens les choses, pour travailler sur moi en fait en tant qu'individu, pour être bien. C'est un peu un travail personnel pour travailler sur ma manière de ma transition. Un travail personnel. Du coup, dans ma question, il y a le travail vocaliste. Le travail vocaliste, c'est un but en fait de parler et de m'exprimer pour avoir une meilleure possibilité d'exprimer. Là, c'est ma voix. Là, c'est ma voix. Ouais. Là, c'est ma voix travaillée. C'est ma voix travaillée quand je parle comme ça. Du coup, j'ai ma voix travaillée et ma voix travaillée et ma voix travaillée et la voix. Non travailler. Comme ça. Et le côté physique, c'est par la danse et par le sport. Du coup, je fais du sport chez moi pour tout ce qui est les matières du sport, pour avoir quelque chose de posant. Le parti alimentation qui fait que je regarde ce que je mange, je vérifie ce que je mange, je fais attention aux aliments que je mange, je vérifie ce que je mange, je regarde ce que je mange. Les compléments, les vitamines que je prends pour bien manger, pour bien faire du sport, pour bien être bien. La partie gestuelle, j'essaie d'apprendre à avoir une gestuelle à des moments. J'essaie de regarder gestuellement comment je peux faire de niveau gestuel. Donc, le travail gestuel, enfin, le travail des gestuels, j'essaie de regarder, je recopie un peu gestuellement comment, en général, gestuellement. Et le travail un peu au niveau make-up, au niveau maquillage, pour travailler tout ce qui est maquillage, tout ce qui est par exemple barbe, maquillage, tout ça. Le travail, le soin de la peau, tout ce qui est soin corporel, tout ce qui est par exemple soin de la peau, soin de la barbe, soin du maquillage et tout ça. Ce qui est hyper important, par exemple soin de maquillage, apprendre à se maquiller, apprendre à tout ce qui est la peau et tout ça. Introduction, apprendre tout ce qui est par exemple le soin de ma peau, ma barbe par exemple. Et un team, par exemple, tout ce qui travaille aussi de ça, c'est un énorme travail. Le travail, tout ce qui est coupe. Par exemple, je prends des coupes, par exemple, le travail, tout ce qui est coupe, je regarde les coupes qui sont le plus bien
pour moi. Et ça aussi à travers le ressenti, parce que fonction mon ressenti, le travail un peu émotionnel, en regardant par exemple quel à tes moments être bien, en fait en me regardant à quel est, en me réfléchissant à quel moment j'étais pas bien ou pas, pour travailler sur ça, travailler mes émotions, travailler ce qu'il faut rire, par exemple, à comment bien réagir, tout ça. Vestimentaire, par exemple, voir quand je fais la maison ensemble, tout ça. Vestimentairement. Du coup, ça, c'est travail vestimentaire. Du coup, c'est travail vestimentaire. En gros, ça, c'est vestimentaire, c'est tout ce qui est, par exemple, mes vêtements que je porte. Je travaille sur le côté de quand je m'habille, comment raccorder les vêtements. Quelle couleur peut être bien? Quelle couleur fait que forcément on ne peut pas avoir telle tenue ou telle partie de mon corps que j'ai pas eu qu'au voir en fonction de mon ressenti, en fonction de ce que je ressens dans ma trahison, en fonction de moments où je me ressens quelque chose, de évaluer en fonction de savoir qu'est-ce qui est bien aujourd'hui, ce qui est pas bien, comme un bilan en fait que je fais chaque fois, un peu de mes émotions, de ce que je ressentis, des situations qui étaient difficiles pour moi. Pour un peu faire un bilan de tout ça et me dire, ok, il y a ça qui n'était pas bien, ça qui était bien, il y a le point négatif, le point amélioré, qu'est-ce qu'il y a à améliorer en fait, tout le temps. Et du coup, c'est un peu une manière un peu d'introduction de savoir vraiment ce que je ressens et ce que je parle. Du coup, c'est une manière un peu de voir ce qui était bien ou pas. Et du coup, c'est un peu un global de choses à travailler. C'est un tout petit peu ça, en fait. C'est un peu ça le but de travailler. Poteau bouddhistique, c'est un peu le travail émotionnel. Le travail émotionnel, c'est un peu le travail, par exemple, de la méditation, du yoga, de la respiration. Un moment aussi de défoulement où je peux me défouler, où je peux travailler tout ce qui est défoulement. C'est tout ce qui est angoisse, tout ce qui est, par exemple, huile médicinale, thé calmant, tout ce qui est, par exemple, peluche, par exemple, pour calmer tout ce qui est pierre. Tout ce qui est luminothérapie, par exemple, tout ce qui est lumière, par exemple, utiliser la lumière pour, en fait, aider à me calmer, à m'apaiser. La lumière, le yoga, qui fait que je suis calme, beaucoup plus calme. La lumière, le yoga, le fait aussi de se défouler, de faire des choses qui me défoulent, des choses qui me font de la passion, ça m'aide à me défouler, ça m'aide à. Le travail artistique, tout ce qui est travail artistique, tout ce qui est la voix, travail artistique, c'est la voix, le côté technique, peinture, tout ce qui est par exemple théâtral, tout ce que le fait de la danse, tout ce que je fais pour travailler tout ça. Et tout ce qui est par exemple travail émotionnel, c'est un peu le travail limé au fait, au niveau, non seulement au niveau de le travail, vraiment au niveau de la bouche, par exemple, quand je suis angoissée, des fois le fait de réactionner la bouche, ça peut franchement calmer et de gérer et de savoir pourquoi en fait je suis angoissée, qu'est-ce qui crée une angoisse. Et des moments où il y a trop d'émotions, par exemple, de réussir à les gérer, en fait. Donc, par la respiration ou par les fêtes. Et, par exemple, créer une ambiance qui peut m'apaiser et faire que je suis plus calme et beaucoup moins dans l'angoisse, en fait. C'est un peu le but. Le but aussi, c'est de travailler tout ce qui est lecture, écriture et tout ça, dans mon trouble. Travailler aussi mon temps. Tout ça, en fait, c'est le but de travailler. En fait, tout ça, c'est un travail que je dois faire. Et du coup, ça travaille de longtemps. Voilà. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Et à bientôt. Merci pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et partager la vidéo. Notification. Oh, voilà.